RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Tant que locaux dans nos veines, tout le monde a pour défendre la République démocratique du Congo. Merci à Batata Bamba Bandeko, Binonyonso, Bozali Kolanda, MKBs officiels, Nabandako, Nabisika Nyonso, Tozali prêt pour servir Bino. Merci à la confiance et fidélité, Bozali Kopesa, Bisso, vous continuez à partager l'émission Nabisso, vous likez, vous Pesa Bisso Makasi. Merci. Tokobeta Masolo, parce que l'actualité l'oblige. Le premier résultat, Tokobi Koloba, il y a pas enquête, et Bimi, Bokolanda, le procureur, près la Cour de cassation, Oya Zali Kopesa, le premier élément, Oyo, police, Nabiso scientifique, et Pessi, Manin déjà, les enquêteurs, Oya Libanda, Bazokita, on a coloca Ndengenini Yakozoa, parce que selon les informations, ba Botolaki Chombo ya chauffeur, ya garde, pe ba koti en contact, na batunyoso oyo, ba zalati kolinga kokosa, parce que vérité de la katetime, et komaka malembe malembe bokolanda yango. Na misio mokolo ya lelo, Bokolanda pe, Moïse Katumbi a souhaitaki, d'ailleurs, azomona ba mindele nyonso, na tina ete ibaya awa baluka lolenge, ya ko approfondir ba enquête, le gouvernement e répondre Katumbi na nzela ya porte-parole, ya gouvernement, Bokolanda Patrick Muyaya, na émission ya lelo, Oyo ye alobaki toko beta peli solo boyebi ke le président de la République azali na aselisaki lobi mosala oyo asalaki na niveau ya Tchad oyo akendaki comme facilitateur na crise oyo zeleka na Tchad. Qu'est-ce que le président alobi na Tchad Bokolandango pe na émission Il y a Mokolo ya lelo, mais déjà il faut voir que Bandalobi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déjà na Kinshasa, a bandi déjà même na ba audience, Bokolanda Nyonso. Avant de kende, to banda quand même, na quelques infos, ou d'une manière générale, ou qui a na Congo, avant, to ya ko développer. Basije Tolobi Mokolo Yalelo. Alors, Tozali Awa na info ya liboso, le comité laïque de coordination dut constater une crise persistante qui risque de conduire inexorablement le pays vers le chaos. Communiqué na bango, et d'ailleurs, na communiqué ya celle-ci, Bassengi même, Balobi que le président de la République a constaté et crise ouana, comme ça pour être abengi sa dialogue. Et lorsqu'on parle de celle-ci, et Sengeli comme moi, que le celle-ci, les alli branche, Moussousou ya Katumbi, c'est Katumbi qui coordonne cette histoire. J'en connais quelque chose, bien sûr, avec la bénédiction de Ambongo, où il y a Zali Lokola, directeur de campagne à Moïse Katumbi, je crois, na deuxième émission, na kozonge na bokoyoka, makambo, oya lobi, okondimateke, oya zali moussani na nzambe, ou bien ezalaki mitingo moko, politique, mais, biso, tozali kotala, nous disons, c'est son droit le plus légitime, ya ko soutenir, Katumbi, bon, nous pensons que,
problème ata moko ezalité mais celle c'est oui ezali et loco je crois c'est Hervé Jacques c'est mon toisan ango alobi ki amoni crise za makasi amoni kao ezoko ya liboso pona yango basendi Félix Tshisekedi na tinete aloka lo lengeni na pendi sa batteur politique pour que babanda dialogue nous ne voulons pas de dialogue ce sont des chemins Oyo ba imiya Congo ba zoluka pour nous déstabiliser et aussi nous faire reculer au moment Oyo biso tozoze la élection. D'ailleurs, vous avez vu comment on a clôturé le processus ya dépôt ya ba candidature. Alors, Seni alobikutu ki azana mikolo ya kobakisa te au moment que nous nous préparons pour les élections, mais celle-ci en collaboration avec Katumbi et les autres de Bazali Koluka vraiment au Bébisa Makambo. Simaya Kozonga na Kishasa, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu ce mercredi soir en sa résidence de Mongaliem avec M. Ahmed Ben Abdelaziz du Qatar, envoyé du Royaume d'Arabie Saoudite et conseiller à la Cour royale. Le ministère saoudien a confirmé la proximité entre les deux pays et a réaffirmé la volonté d'Arabie Saoudite d'investir en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture et du tourisme et des mines. M. Abdelaziz a fait part au président Tshisekedi de la volonté de son pays d'organiser une conférence spéciale avec la RDC en court terme. Il a profité de l'occasion pour solliciter le soutien de la République démocratique du Congo en faveur de l'organisation de l'Expo universelle 2030 en Arabie Saoudite. Donc, le président de la République a yambi ba émissaire d'Arabie Saoudite, surtout que Oyebike na eloko pe ezope sakaga me pasi yango wana na nzela oyo bango bazwi makanisi ya kobebisa Congo na koyeba ba minere l'Arabie Saoudite alobi ya zapre maintenant pote asombaka na nolenge sengeli ba or na biso au lieu que ezala ba minere de sang mais que nos minere ezo maintenant zela oyo esengeli na tinete eyeba na koprofite na ba Congoli. Alors esengeli boyeba ke le jeu de la francophonie. Les ambassadeurs des pays francophones, rassurés par le gouvernement, ciblent toutes les conditions liées à l'organisation de ces grands événements. Donc, déjà, lobby, Totché, la Kibino, Awa, Confusion, Moko, et les Kaki, Burkinabe, Moko, Alobaki, Nalolenge, Makambozo, les cas, Nasit, Yainikin, Maï, Zalakite, et l'Obe, Zalakite, mais vous voyez comment après, Ndengenini, tout la question qui dit que nous avons eu un équipe, il y a qui peut-être qui s'est posé des petits problèmes techniques, qu'il y a peut-être là, que ça la macambouane, mais non, ça, ils ont été Ndenge et Longobani. Alors le gouvernement a tenu pour rassurer l'ambassadeur, il a pas payé, ils allaient apprendre à Kolobaki, non, le gouvernement de la République, Zaliko Salamanso pour encourager Bango. Et d'ailleurs, vous savez que les ennemis du Congo, Salakinyonso, pour bâtir la condition d'insécurité, Babangi Sabat, Balobakino, en tout cas, moyen de dans le Congo, exacte, Boké dans la jeu la francophonie pour sécurité et salité. Alors, va échouer parce que les lots, Manso, Maléki, convenablement, peut le Kambo. Yako banga ezalite nyonso eleki ndenge elongobani et ce qui nous reste ezali toluka ndenge nini tokoki kosala manso na ba condition oyo acceptable na bato nyonso mais surtout pour travailler pour l'intérêt du Congo. Donc le gouvernement a rassuré l'ambassadeur à lobby eza neloko mokote ekoki kobangisa Bango. Tension RDC-Rwanda.
le Rwanda met en garde la République démocratique du Congo contre tout prétexte invoqué pour justifier une attaque sur son territoire. D'ailleurs, je crois que Nako Tchela Bino, lors de cette émission, Mokolanda Koma, le porte-parole y a armé à l'objet que Rwanda a zéro ngama pour aller pour attaquer Bissau Awa. Mais l'attaque y a Rwanda, Rwanda a connu Kanaba Kalikin naye, à l'objet que non, na zéro na Congo, Pamba pe Congo, Azali naba, FDLR et Kazolinga a attaqué Bissau. Alors le gouvernement est lobby. Si le Rwanda ose cette fois-ci, comme Naba Masisi, Naba Bisika Nyonso, Rwanda, Azali Kokanisa Kazama Kas, Meyambaloro, Allié Bakye, nous ne laisserons pas et le gouvernement de la République démocratique du Congo promettre qu'il réagir sans excuse, peuple Zala regrettable. Donc, le gouvernement est lobby. Rwanda a mécaté pour ça la blague parce que Bazali prêt y a pour répondre coup pour coup. Rwanda paye à son tour à l'obi. Ok, sur qui kaka gouvernement y a Congo et l'Indi qu'on attaque Bissau sur notre territoire, Bissau peut te corriger. Mais Bissau reste tout le bas qui a. Pour toi qui est bien, c'est Nelly Kaka et Sougana Mandouki et nous encourageons. Cet esprit de recrutement, na formation, tel que le président Azali Ko Salayango et Zali de la Malam. Parce que Kagame ne peut écouter Kaka, Zela ya Mundouk. Sans cela, et donc Moko ya Salayman. Et d'ailleurs, je peux même vous dire que un député français a outu comme Malori na niveau ya parlement. D'ailleurs, elles ont soutenu par un bon nombre de députés à l'objet que le gouvernement français essaie de faire sanction contre Paul Kagame. Et d'ailleurs, le député français en question a dit qu'on s'appuyait même dans le dernier rapport d'experts et des Nations Unies. Or, il a dit clairement que tout ce qui se fait au Congo, Moutou Oro a dit à la base, na yango Congo, Monsieur Paul Kagame. Alors, le député français a saisi que le gouvernement français n'a pas eu de sanctions contre Paul Kagame. Et d'ailleurs, le député en question avait regretté vraiment silence France par rapport à cette agression barbare que le Rwanda a condamné sur le sol congolais. Alors, à Sengibaningana, ma député, ma pèse ma kasi, si cette résolution passait, et d'ailleurs, un bon nombre y a ma député, basé pour soutenir Yango, nous pensons que Ekozala une très bonne chose. Comme vous le savez, l'État n'a pas d'amis ni d'ennemis, l'État n'a que des intérêts. Est-ce que Macron, qui d'ailleurs était ici à Kinshasa, incapable de citer même le nom du Rwanda ou de Kagame, sera-t-il à mesure de prendre des sanctions si cette loi passait au niveau du Parlement français par un député qui veut compatir la malheur et le peuple congolais? Attendons voir si cela va passer. Alors, pour entamer maintenant dossier au Tali, les Kambo, il y a Chérubin Okende. Vous avez dit très bien que Banda Akufa flou et Zalaki ont persisté. Tout le monde s'est posé la question. Chérubin Akufeli, Likambo Nini, Banquette et Zali Koloba Nini. D'ailleurs, Katombi qui était ceux qui n'ont pas mis en place, Aza déjà n'a Kinshasa. Azo tambola na bambasa na batu nyonso po na kosenga ke banquete esalema. Alors, voyez que balobaki ke Chérubin Okende ba bomelaki ba levaki
na parking il y a cour constitutionnelle et le cour constitutionnel dit les lots à lobby à côté qu'on dit maté papa à côté comme il y a été pour y atikala comment a été chérimain aucun des doute bande qui peut persister parce que ce qui bolandi procureur à lobby jusqu'à 16h nde ukande ya chérimain ils ont gagné la clé n'acquise de réception mais n'andam le moussous dat ya katrin le lobby que chérimain a la été enlevé à partir il y a 14h au moment que batubazo zela flou wana esi la battre de gauche à droite, les procureurs ont la cour de cassation, lobby, il a tenu un point de presse. Parce que, comme vous voyez, Banda Bamboumaye, Tozali, le gouvernement, a formulé une enquête prédisciplinaire. C'est-à-dire, le gouvernement a porté ce qui bat Nios. Tous les services de l'État peuvent être dans ça ou ça. Alors, vous avez tout même, vous avez tout le monde, vous regretté que tant que vous avez critiqué le procureur, vous avez dit que 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 vous avez aussi entre autres makambo mususu et bima donc sinde na niveau wana tozaleli mais le procureur et la cour de cassation lobby na point de presse a fixé opinion na ba premier élément et le bima qui na banquette et le point de le bimbo bakangi le premier suspect Oya Zalaki garde ya chérimain Okende, le premier suspect. Ya mi balé à l'obit, ba boko li téléphone anaye, balande li pe chauffeur. Parce que, tango ba sami, na odjo po tchela ki bino, boko yeta, garde a zolo da ke, vieux atinda ki chauffeur atende kotikala kotikela ma parent ya chérimain Mbongo le procureur a lobi batsepe mamboko et pas ya chauffeur et simikaka wanate bayepe bakangi bato nyonso oyo bazalaki en contact na chérimain Okende na moment oyo avant akoma na cour constitutionnelle oyo cour lobi etikala komona ye te me kolandisa maloba ya garde na ye eloko ya mibale oyo ebimi na monoko ya procureur près la cour de cassation alobi Bayo komona réellement que police scientifique tango bakali bazali ko confirmer solo chérimain Okende akufi be na nzela ya masasi kasi na banquete oya liboso tango Balandisi, ono ozo masasi, bayeko mona ke, chérimain Okende, lisasi oyo, ekotiye na nzoto, ezalibe lisasi, ya munduki, oyo ya garde na ye, bokolanda procureur. Mais je vous explique d'abord. Pour la mitouna qui moutouna, dans le bien, quand vous gardez dans le bien avec un dossier,
Mukanda nakati azongi alobi amoni via zate comment akoki ko alerter te ndeza la kata via quel wapi boyena boy rien ni enferma na cour rien toki kaka ndenge ebimi ndenge wana mais le procureur a lobi tango ye atali ayeko kutake na ba policier oh la police scientifique nde balandi sima kambo ba lobi ba kutani neke munduki oyo ebumiye ezali be ya garde na ye. Ça, ce sont des éléments au ébini. Bon. Garde naïe, ako bon naïe, yé moko, pour ba le bâti tam ba étudie, ba kouti ba élément wa. Bon moment ya kouti ko zala, a tindi garde, si et seulement si, le premier suspect, jusque là, n'est de l'outil, Tozali, Kozoyango, Ndenge Bayebi Simiso. Nous voulons, si, parce que Zali ba enquête ya de Bosso, pe ba lobike, Nanzela ya Chombo, Bakouti, Babilo Bembele, et Zali Wana, nous voulons que vérité ya solo ebima, tokoki kondima pe. On a toki ko croire te ki garde wana a bete yo masas parce que tango baye ko kuta ke mutu ke zaraki a marche phénomène moko inexplicable mais chelibe azi masas pe munduki ya garde otikali wana. Jusque là, Ezali, premier élément, Oyo, Bisso, Tozali, qu'on comprendre. Est-ce que, Bato, Baye, ba koti na kati, Tango garde, Akendaki, ba profite, na mundu ki ya garde, ba bepa yango masas, pour na ko créer confusion, est-ce que garde yé mouko, mouto a utilisé mundu ki, avec le chéribé Massas, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le Konangal, dans la vérité, et dans le Banaté? Mais parce que TV et les radio-télé, dans le Zoulinga, dans le Gaïna Bino, dans le Fongola Matoy, dans le Yoka, le premier élément, le procureur, près la Cour de cassation, a lobby. Ensemble avec vous, de Tokoya Kozonga, Kotitoloba, vraiment, vérité, Nanyonso, Ezali Kolobé, du nom Père, Bozana Clavier, place Bozali, vous pouvez comment réagir, même en suivant cette émission en direct, donc, on peut saper quelques éléments, au Bino Père Boyoki, par rapport à la situation. Il y a Chérimé Okende qui fait très mal un père de famille assassiné pour des intérêts purement égoïstes. Aussi cet élément. Boyo Kamakam Bolevi, on revient juste après. L'expertise en télécommunication cellulaire, l'expertise en médecine légale. Toutes ces expertises, par nos réquisitions à experts, se sont mises à l'œuvre. Et chacune d'elles, constamment en contact avec nous, nous livre les résultats des enquêtes, ou plutôt de devoirs soumis à leur expertise. Et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lequel ils ont été requis. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique,
La police scientifique nous a confirmé, par exemple, que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Alors là, je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme qui a été trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons, encore entre nos mains, nous avait laissé entendre beaucoup, nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. J'étais surpris moi-même que un monsieur soit passé sur les ondes de la radio, d'une certaine radio, nous dire que nous n'aurons pas dû considérer ce monsieur-là comme un suspect. Sachez qu'en matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans les périmètres, en principe, en matière de télécommunication, les premiers résultats nous parviennent déjà. Puisque nous avons dit que nous avons mis la main, nous avons saisi les téléphones de fin, ceux du garde-corps et ceux du chauffeur. Ça fait autant de personnes qui devaient être en contact avec la victime dans les heures qui ont précédé sa mort, tout comme dans les heures qui ont suivi sa mort. Et tous ces téléphones sont en train d'être passés au crible par les expertises. Et permettez-moi, autorisé, que je ne vous dise pas les premiers résultats que cela donne. Et je peux vous assurer que ça nous donne une idée du film des événements qui nous permettront d'aboutir à une conclusion qui soit unique. La fois passée, nous avions requis différentes expertises, notamment l'expertise de la police scientifique, l'expertise en cybercriminalité, l'expertise en télécommunication cellulaire, l'expertise en médecine légale. Toutes ces expertises, par nos réquisitions d'experts, se sont mises à l'œuvre et chacune d'elles, constamment en contact avec nous, nous livre les résultats des enquêtes ou plutôt des devoirs soumis à leur expertise. Et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lequel ils ont été requis. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Alors là, je ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme qui a été trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons, encore entre nos mains,
nous avait laissé entendre beaucoup, nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses, là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. J'étais surpris moi-même que un monsieur soit passé sur les ondes de la radio, d'une certaine radio, nous dire que nous n'aurons pas dû considérer ce monsieur-là comme un suspect. Sachez qu'en matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans les périmètres, en principe, en matière de télécommunication, les premiers résultats nous parviennent déjà. Puisque nous avons dit que nous avons mis la main, nous avons saisi les téléphones des femmes, ceux du garde-corps et ceux du chauffeur. Ça fait autant de personnes qui devaient être en contact avec la victime dans les heures qui ont précédé sa mort, tout comme dans les heures qui ont suivi sa mort. Et tous ces téléphones sont en train d'être passés au crible par les expertises. Et permettez-moi, autoriser que je ne vous dise pas les premiers résultats que cela donne. Et je peux vous assurer que ça nous donne une idée du film des événements qui nous permettront d'aboutir à une conclusion qui soit unique. La fois passée. Voilà, je crois que Wana Bolande Zali, procureur Oyako Cour de cassation, Bolande Ndengeleni a meké pour expliquer, selon lui, il m'a y a des bosso. Mais na demande ya Katsumbi ya Kumona, enquêteur Oyako Fouta na Mbongo, pour le Bikaza na Mbongo, a Kotiango en chef pour enquêteur Bayako Zoua. La réponse, il y a gouvernement par rapport à la demande, il y a Katumbi, c'est Patrick Mouya qui répond. On suit ça, on revient juste après. Une erreur qui a été ouverte aux experts et pour le... Moïse Katumbi est favorable aussi. Bon, il a demandé que la MONUSCO soit impliquée, l'Union européenne, il parle même des États-Unis. Est-ce que ça ne demande pas l'harmonisation? Écoutez, il n'y a pas d'harmonisation particulière à faire dès l'instant qu'il y a un parquet qui s'occupe du sujet et dès l'instant qu'il y a le principe d'une enquête pluridisciplinaire qui a été ouverte aux experts. Et pour le reste, il faudra laisser ceux qui sont habilités pour le faire, faire ce travail-là. Que répondez-vous à ceux qui pensent que, bon, en RDC, on a l'habitude de commencer une enquête et puis après, ça ne donne rien? Ils ont peut-être peur que cette fois-ci, ça soit de la même manière qu'on a toujours décrit en RDC. Écoutez, ce qui s'est passé est suffisamment grave. Parce que ça arrive dans un contexte où nous sommes convaincus qu'il y a des laboratoires qui opèrent pour semer la terreur, créer la psychose, non seulement pour perturber ce que nous attendons dans 10 jours, les Jeux de la Francophonie, mais pour aussi perturber le processus électoral. Et donc, ceux qui ont agi derrière cet odieux assassinat sont dans cette logique des terreurs. Et donc nous considérons que cet assassinat est une alerte rouge et tous les services sont mobilisés. Nous sommes convaincus que nous allons arriver à mettre la main sur ceux qui l'ont commis et pour que cela soit puni. C'est aussi l'occasion de dire, parce que nous avons vu beaucoup de choses être dites, notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons vu des gens devenir des enquêteurs et des juges sur les réseaux sociaux. Mais tout cela, s'ils ont des idées, s'ils ont entendu quelque chose, ils peuvent se rapprocher du parquet. Comme ça, nous tous, on va s'assurer que nous avons donné suffisamment d'éléments pour faire la lumière sur l'assassinat de mon collègue Chérubin Okende. Entre-temps, il y a une loi qui interdit tout ça, tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi la loi ne va pas sévir? Écoutez, il y a la disposition de la loi, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a du tout. Ceux qui ont agi n'ont pas fini d'agir. Ils travaillent suivant un plan. Et ces plans passent notamment par les réseaux sociaux. Alors nous sommes dans un contexte démocratique où on ne va pas priver aux Congolais de leur droit de s'exprimer, mais nous voulons que pour ceux qui concernent cette enquête spécifiquement, nous les devons
à la veuve de notre collègue Chérubin, à ses enfants et à nous-mêmes qui étions ses amis, la vérité. Vous parlez de la famille. La famille a déjà déposé une plainte. Qu'en dites-vous? Il va de soi que justice doit être faite pour elle d'abord, parce que personne ne peut accepter de perdre un être cher dans des conditions comme celle-là, sans vouloir que toute la vérité puisse être faite. Merci, monsieur le ministre. Moïse Katumbi est favorable aussi. Bon, il a demandé que la MONUSCO soit impliquée, l'Union européenne, il parle même des États-Unis. Est-ce que ça ne demande pas l'harmonisation? Écoutez, il n'y a pas d'harmonisation particulière à faire dès l'instant qu'il y a un parquet qui s'occupe du sujet et dès l'instant qu'il y a le principe d'une enquête pluridisciplinaire qui a été ouverte aux experts. Et pour le reste, il faudra laisser ceux qui sont habilités pour le faire, faire ce travail-là. Que répondez-vous à ceux qui pensent que, bon, en RDC, on a l'habitude de commencer une enquête et puis après, ça ne donne rien? Ils ont peut-être peur que cette fois-ci, ça soit de la même manière qu'on a toujours décrit en RDC. Écoutez, ce qui s'est passé est suffisamment grave, parce que ça arrive dans un contexte où nous sommes convaincus qu'il y a des laboratoires qui opèrent pour semer la terreur, créer la psychose, non seulement pour perturber ce que nous attendons dans 10 jours, les Jeux de la Francophonie, mais pour aussi perturber le processus électoral. Et donc, ceux qui ont agi derrière cet odieux assassinat sont dans cette logique des terreurs. Et donc nous considérons que cet assassinat est une alerte rouge et tous les services sont mobilisés. Nous sommes convaincus que nous allons arriver à mettre la main sur ceux qui l'ont commis et pour que cela soit puni. C'est aussi l'occasion de dire, parce que nous avons vu beaucoup de choses être dites, notamment sur les réseaux sociaux, nous avons vu des gens devenir des enquêteurs et des juges sur les réseaux sociaux, mais tout cela, s'ils ont des idées, s'ils ont entendu quelque chose, ils peuvent se rapprocher du parquet. Comme ça, nous tous, on va s'assurer que nous avons donné suffisamment d'éléments pour faire la lumière sur l'assassinat de mon collègue Chérubin Okendé. Mais entre-temps, il y a une loi qui interdit tout ça, tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, la loi ne va pas sévir? Écoutez, il y a la disposition de la loi, mais vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a du tout. Ceux qui ont agi n'ont pas fini d'agir. Ils travaillent suivant un plan. Et ces plans passent notamment par les réseaux sociaux. Alors nous sommes dans un contexte démocratique où on ne va pas priver aux Congolais de leur droit de s'exprimer, mais nous voulons que pour ceux qui concernent cette enquête spécifiquement, nous les devons à la veuve de notre collègue Chérubin, à ses enfants et à nous-mêmes qui étions ses amis, la vérité. Vous parlez de la famille. La famille a déjà déposé une plainte. Qu'en dites-vous? Il va de soi que justice doit être faite pour elle d'abord, parce que personne ne peut accepter de perdre un être cher dans des conditions comme celle-là, sans vouloir que toute la vérité puisse être faite. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on a bloqué réponse à porte-parole et à gouvernement. On a demandé à Moïse Katumbi, mais on va se séparer avec cet élément. Moi, je vais revenir après. Le président de la République, Azalaki na Tchad, na médiation. Regardez ce que tu sais qu'il y a ça, la crise. Restez branchés pour le deuxième moment. On suit le président. Merci. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je remercie tout cœur le président Mamad Idibitno pour son accueil chaleureux. Il a dit ici, je suis vraiment en famille, je suis en terre ternelle, je me sens vraiment très très bien et je tiens vraiment à le remercier pour tout ce qu'il a mis à ma disposition pour faciliter la démarche. Marche qui, comme vous le savez, a été ou m'a été confiée par mes pères de la CEAC. En vue de venir modestement, avec humilité, accompagner le peuple du Tchad dans son ensemble à sortir de cette crise qui nous avait tous bouleversés il y a un peu plus de 2 ans maintenant, celle consécutive à la mort inopinée et brutale du maréchal du Tchad, le défunt président Idriss Déby Itno. Donc, et accepter avec honneur cette mission, moi qui ne suis pas non plus exempt de problèmes, comme vous le savez, mon pays est aussi victime d'agressions barbares et de tentatives en tout genre de déstabilisation, mais au nom de l'amour que j'ai envers mon prochain, au nom de l'amour que j'ai pour l'Afrique et du souhait que j'aimais tout le temps de vouloir voir cette Afrique, notre terre, à tous en paix
et stable, j'ai accepté cette mission avec honneur. Et aujourd'hui, je suis encore plus heureux depuis que j'ai rencontré, j'ai eu toute cette série de rencontres hier, heureux de constater que je n'ai trouvé aucun Tchadien qui eût été hostile à une avancée quelconque. C'est ce qu'il faudra retenir. Tous ceux que j'ai rencontrés ont œuvré dans le même sens, celui de la reconstruction, de la réconciliation et du progrès du Tchad, de l'unité du Tchad. C'est rassurant et même encourageant pour nous qui accompagnons ce peuple frère. Je peux dire aujourd'hui que je repars plein d'espoir d'une solution pacifique, heureuse pour ce peuple. Toutefois, ma seule inquiétude demeure cette situation qui nous préoccupe tous, celle du Soudan, comme vous le savez, avec qui a déversé un flot de réfugiés et qui risque évidemment de faire basculer le cadre dans une instabilité encore plus longue. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour lancer un appel à la communauté internationale de se mobiliser comme un seul homme pour mettre un terme à ce qui se passe Soudan, qui risquerait de bouleverser la stabilité de toute notre région. La République démocratique du Congo, il y a encore peu de temps avant que la République du Sud-Soudan ne soit créée, nous étions voisins de cette République du Soudan. Donc nous restons aussi préoccupés car l'instabilité du Soudan pourrait entraîner celle du Tchad et avoir comme ça un effet domino jusqu'à arriver à étendre l'épicentre de ce bouleversement en République démocratique du Congo. Prenez donc, c'est une situation qui nous préoccupe au plus haut point et nous avons besoin de nous impliquer tous pour y mettre fin. Mais nous ne pourrions pas y arriver si nous ne bénéficions pas du soutien de la communauté internationale. Parce que ce conflit, malheureusement, il a des ramifications qui touchent la communauté internationale. Pensons donc à ce conflit et mettons toutes nos énergies à vouloir le régler. L'autre plaidoyer, c'est aussi en faveur de la République du Tchad, qui, comme je vous l'ai dit, a étonné plus d'un en demeurant stable après ce malheur qui l'a frappé inopinément, celui de la disparition brutale du maréchal du Tchad. Personne ne donnait ce pays stable et uni après ce drame, mais voilà que les Tchadiens se sont pris en charge et sont en train de régler leurs problèmes. Nous ne sommes là que pour leur faciliter cette démarche, parce que vous savez que des fois il y a eu des couacs comme lui du 20 octobre de l'année dernière, qui a entraîné un lot de victimes assez important et qu'il ne faut plus du tout souhaiter revivre dans ce pays. Voilà pourquoi nous nous tenons à leur côté pour éviter ce genre de drame. Et je repars rassuré et plein d'espoir que nous sommes engagés sur la bonne voie et qu'il n'y aura sûrement pas encore de possibilité de retomber dans cette travers que nous ne pourrons absolument pas souhaiter revivre. Et donc, je peux terminer en remerciant à nouveau mon cher frère, le général Mamad Idriss Déby Itno, président de la transition. C'était un plaisir d'être ici, de me trouver dans ce pays que je considère comme le mien, où j'ai été très bien accueilli, j'ai été
mis vraiment dans les meilleures conditions possibles de travail. Et je ne suis pas loin, à 2 heures de vol simplement d'ici. Je reviendrai à tout moment où l'on aura besoin de moi. Que le peuple tchadien sache qu'il n'est pas seul dans ses difficultés. RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.